Et en basket, les Chalandais, eux, étaient à un cheveu de la victoire ce samedi contre Orchy. Ils se sont inclinés 85 à 86 après un match dynamique et intense. Mais malgré cette nouvelle défaite, le club affiche un visage rassurant pour le reste de la saison. On ne doit pas perdre ce match ce soir. Je suis très frustré par rapport à ça. En même temps, très fier de ce que montraient mes joueurs ce soir en termes d'envie, d'intensité, de partage collectif. Il y a encore pas mal de choses à corriger. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais incontestablement, on a montré ce soir qu'on était sur la bonne voie.